secondaire. Bon, on le dira pas. Moi, j'ai novice amélioré. Moi, j'ai passé du temps qui reste novice. C'était beau, quoi, je vois, parce qu'après on te filme. L'action à mener dans la pureté de tous vos actes.
Cette couleur est aussi celle de la foi. Le cordon saint doit vous rappeler d'une part l'attachement aux valeurs chrétiennes, ainsi que l'esprit de fraternité qui unit tous les frères et auquel vous avez souscrit. Enfin, la cape que vous allez revêtir doit vous faire méditer sur l'esprit de l'Évangile que vous devez répandre et faire partager comme un apôtre de Jésus-Christ. Sa couleur rouge incandescente doit signifier pour vous l'amour divin, symbolisé par Jésus au très saint sacrement de l'autel. C'est aussi la couleur du buisson ardent par lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Chaque fois que vous revêtirez ces habits, souvenez-vous de ces symboles qu'ils représentent. Sergio Costa, vous devenez à partir de ce jour membre de votre confrérie. Montrez-vous en ligne et charitable envers votre prochain. Nous aurons également un tunisier, Jean-Louis Garrido. Il a déjà revêtu sa cape, mais un an de noviciat, et donc nous lui remettons aujourd'hui sa carte officielle avec le galon doré, qui veut dire qu'il a subi toutes les épreuves de son noviciat, et nous le faisons à partir d'aujourd'hui confrère à part entière. Enfin, nous avons un confrère, le docteur Boski Jean-Charles. Il a la chance, il ne fera pas de noviciat, parce que c'était un confrère qui appartenait à la confrérie Sainte-Croix de Porto-Vec et qui a demandé d'être rattaché à notre confrérie du Saint-Sacrement. Et nous l'accueillons avec fierté et beaucoup de fraternité.
Io non capisco quale è la passione. Ho più bisogno e dell'espoir che ha potuto donner a ton église, l'église e le persone che li consacrano, dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'évangile. Voir la difficulté que nous avons à encourager les jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donnez-nous de l'audace pour interpeller de l'énergie pour l'épauler et de la patience pour accompagner. Fais-toi à nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. Voilà, mettez au fond.
Seigneur Jésus, nous voilà avec toi pour parcourir les rues de notre village, de notre cité, de nos habitations. Nous voulons que tu poses ton regard sur chaque foyer, chaque maison, chaque coin de notre rue, mais surtout et en premier lieu, chaque cœur qui t'accueille avec les chants de louange, avec l'espoir d'être toujours à hauteur, de répondre à ton invitation, à ta présence. Tu nous guides par le lit de notre ville et tu nous guides par la puissance de l'Esprit Saint afin que nous puissions, avec nos familles, avec les enfants qui aujourd'hui ont pris ton corps, ton sang dans leur propre corps, soit avec chacun, chacune d'entre eux, comme un soutien, comme un protecteur, comme la lumière dans la vie de tous les jours. Nous te demandons à toi qui es notre Père du ciel, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Quand au verbe avec vous. Que la bénédiction du
de Dieu, notre Sauveur et notre Maître, celui qui nous soutient, celui qui nous porte, descend sur ces quartiers et dans les cœurs de tous ceux qui sont présents ici, tous les malades et tous ceux qui ont besoin de notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeah.
D'abord pour nous, nous qui habitons ici, nous qui vivons au quotidien nos joies, nos réussites, nos échecs, nos peines, et là où nous pleurons aussi nos morts. Aujourd'hui, d'une façon particulière, nous pensons à celle qui, encore il n'y a pas longtemps, avait décoré avec soin, avec la foi, cet hôtel Leonetti Gégé, que Dieu lui accorde sa paix dans son royaume, qu'il lui accorde et accorde à tous nos chers défunts ce qu'ils méritaient pour leur dévouement, pour leur exemple, pour leur foi exemplaire, pour leur témoignage. Ces témoignages qui nous aident toujours à construire notre vie afin que nous puissions la réussir et nous rencontrer tous ensemble de l'autre côté de la vie, là où il y a la paix, la joie, la lumière. Mais nous sommes encore ici-bas et nos pieds marchent sur la terre des hommes. Il faut que la lumière nous aide. Ta lumière nous procure le pain au quotidien, l'honnêteté de notre vie, afin que nous ne trébuchions sur le chemin. Donne à chacune d'entre nous cette lumière, cette paix intérieure et cette joie de vivre notre baptême au quotidien. Et tous nos enfants qui aujourd'hui ont reçu le sacrement du baptême, de la première communion, de la communion solennelle, la joie d'en témoigner durant toute leur vie jusqu'au jour de la rencontre. Une rencontre exceptionnelle, là où tu vas nous ouvrir les bras pour nous accueillir et pour nous combler de l'amour de ta mère et notre mère, la Vierge Marie. En tu merum sacramentum Seigneur, celui qui vient nous visiter dans nos rues, dans nos foyers, dans nos cœurs, accorde à nous tous et à chacun particulièrement ce qu'il a besoin pour continuer cette route vers la lumière éternelle et qu'il accorde grâce à la bénédiction
à tous nos chers défunts, particulièrement ceux qui, cette année, étaient invités pour rejoindre l'Éternel, pour recevoir une bonne récompense pour tout amour qu'ils ont sémé, qu'ils nous tous bénissent. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, qui porte le monde entier, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oh,
dans notre quartier, dans chaque pièce de nos maisons, dans chaque cœur de ceux qui y habitent et ceux qui viendront nous rendre visite. Nous te demandons pour que chaque visite nous rapporte la joie, les repères valables, les forces nécessaires, et que nous, avec toi, en ta compagnie, en compagnie de l'Esprit Saint, nous puissions porter aussi la joie aux autres, aux désespérés, aux malades, aux sans-abri. Que notre main secourable s'étend toujours vers chacun qui se présentera au seuil de notre porte et au seuil de notre cœur. Nous te demandons, lors de ces allées, de cet hôtel que nous avons construit à cet endroit, tellement significatif pour nous, pour nos parents, pour nos grands-parents, cet endroit où tu vas nous bénir, afin que nous puissions bénir à notre tour par une parole constructive, par une pensée qui monte vers toi, par un regard de compassion. Nous te demandons, lors de la bénédiction, celle que tu vas nous accorder tout à l'heure, pour que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse, dans notre façon d'être, de vivre, notre façon de prier, notre façon de témoigner, notre façon d'avancer vers l'éternité. Et tous ceux qui y sont passés déjà, accueillent chacun, chacune d'entre eux, nos parents, nos voisins, nos amis, nos proches, peut-être même nos enfants, que chacun, grâce à notre procession, à ta bénédiction, retrouve le Père, la Mère, la Vierge Marie et l'Esprit de force, l'Esprit de l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Seigneur descende sur ce quartier, sur tous les habitants et ceux qui sont partis vers la lumière, vers la vie éternelle de l'autre côté de la rive, là où ils nous attendent afin de nous embrasser les jours de la rencontre. Et vous tous, ici présents, ainsi que vos malades, tous vos proches et vos enfants, Dieu Tout-Puissant, les bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père,
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh.
Vierge Marie, pour qu'elle soit notre mère et parfaite, nous enseignant à aimer son Jésus avec ce très pur amour qu'elle est le sien. Que la grâce divine vienne dans nos pauvres âmes pour pouvoir glorifier Dieu en cette ère saine que nous offrons avec l'intention de réparer les offenses et de lui tenir compagnie pour les abandons, les outrages, les ingratitudes qu'il a reçues de toutes les créatures de la terre. Pane Deo Praesvitistieis, omne clementi
et surtout aux enfants qui ont fait la joie aujourd'hui de notre rencontre, la joie de notre Église, la joie de l'avenir qui se présente avec leur cœur immaculé, avec leur désir de servir Dieu et son prochain. Bonne soirée à tous, allons dans la paix et la joie de Christ. Abandonné pour ton vécu
plus une bouteille de mire. Ça a pris les temps. Un jour, je ne connais pas le blanc. Rien n'empêche pas l'autre. Hein, Pierre Camille. Cher Joe va nous faire un petit discours. Pierre Camille. Vous n'habitez plus comme chez notre nom. Quand je suis à la cave, moi je vais faire un petit discours. Si on peut te lever et dire, j'ai rien à dire. Il y a Camille. Moi j'en ai vu un hein, qui avait les larmes aux yeux aujourd'hui. Hein. On a été deux là. On a été deux là. Cet après-midi, il y en avait un qui avait les larmes aux yeux. Il y en avait un qui avait les larmes aux yeux aujourd'hui. Hein. Hein? Un communion? Non, non. Un confrère. Un initié. Plus que la dernière fois. Non, oui. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y en ait des privilégiés. Nous, aucune intronisation. Les morphalous, on les voit. Hein. Allez, non. Regarde-moi ça, les morphalous. Toi, maintenant, tu es concrète. Moi, j'y vais tout le temps. Je vis à Lyon, pratiquement 4 mois de l'année. Du mois de fin novembre jusqu'à mars, ça dépend des années. Je vis à Lyon. On sort manger le soir. Tu vois là. Le diabète, hein. Tiens, bon, alors, c'est aussi tranquille. C'est aussi tranquille. Bon, alors, pourquoi pas? Oui, tu veux? Bien sûr. Pourquoi pas? Alors, si tu le fais, allez, Christophe. Attends. Je veux, dans un mois, un premier résultat. Alors, messieurs, voilà, je passe le contraire. Alors, maintenant, c'est à vous. C'est à vous, répondez. On me vise toujours. Je remercie Monsieur le Président de Sénat. Alors, on chante. Béni Seigneur, béni Seigneur, serait pas ce repas que nous allons prendre, que nous allons prendre dans la joie, dans la joie. Seigneur, béni Seigneur, béni ce serait pas que ceux qui n'ont pas joué à mort. Bon appétit. Amen. Merci. Alors voilà, juge de mon pouvoir. Bon appétit, messieurs. Le confrère chargé de nous trouver des médailles au prix pas trop cher et tout ça, est désigné. Dans un mois, je veux déjà un premier truc de ses recherches. Bon. J'ai dit, voilà. Est-ce que la confrérie peut me payer un voyage à Rome? Je demande de quelqu'un. Oui. Moi, je voudrais aller au puits en volée. À la personne. Aller au puits en volée, c'est formidable. C'est des requêtes. C'est des requêtes. Non, c'est pas bon, autrement. Le payeur a voulu se faire payer un voyage en Malaga. Il se l'est payé tout seul. Un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon appétit. Je vous ramène l'année prochaine en Andalousie. On les tient, on les chante. Tous les gens, la chanson. Tous les ans, on nous promet un voyage et tous les ans, on ne le voit pas. Le voyage. Écoute, mon cher ami, tu vas encore me déléguer. Je vois que tu es un peu comme certains confrères qui parlent pas. Oui, il va y arriver. Moi, mon avis, la partie. On va le voter, on va voir. Oui, je suis avec le qui c'est lui qui doit s'occuper de l'enterre. Voilà, mon monsieur, voilà.
que c'est à mon affaire. Comment j'ai défendu? Les médailles. Non, 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 tu sais qui. Faut que tu attaques pas la famille. Faut pas que tu le mets là, donc tu l'as. Ah, pour l'arrêter. Après, une anneau, elle va se poser des questions. C'est bon, non, c'est maintenant, c'est maintenant. Après, merde. Je te prends la demoiselle quand même, c'est la demoiselle, regarde. Elle fait bonjour, la demoiselle. Bonjour, voilà. Non, mais va la pizza. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'il est toujours, j'ai rien mangé. Alors, je filme quand même. Arrête, tu vas lui couper l'appétit. Je vais couper l'appétit à Pierre-Jean. Alors... L'appétit à Pierre-Jean. C'est toujours les assiettes des autres qui intéressent les flics. Voilà. Je voudrais aussi enfiler un petit peu notre futur médaillé olympique. Hein, notre médaillé olympique, le voilà. Alors, monsieur Noël Balin, tu as promis de s'occuper de nous fourguer de bonnes médailles à la confrérie. Voilà. Il a prêté serment devant l'avocat Lulu. Non. Ah oui. Donc, Et il a pris comme adjoint. Ah non. Comme adjoint. Adjoint, il est à côté. Mais monsieur Nicolas, il s'est proposé aussi. Non. Et comme il est le plus ancien dans la confrérie, c'est monsieur Nicolas qui sera ton adjoint. Eh bien, il sera co-adjoint. Voilà. Et le second adjoint. Voilà. Oui. Vous savez que Pierre-Jean, la dernière réunion de confrérie, on a tout filmé, 2h30 de réunion. Et ceux qui avaient promis des choses, l'année prochaine, on va les voir. Là, nous avons en photo le Polak. Père Christophe, un Polak. Il est à moitié corse maintenant, largement, là, plus même. Il est citoyen d'honneur. Il est citoyen d'honneur. Nous allons terminer sur notre Lelouch national. Il n'a pas encore fini de manger, il n'arrête pas. Il fait que manger. Ah ben, tant mieux, l'appétit. Moi, ça me fait plaisir quand je vois les gens qui mangent. Mais en plus, il est bien servi par la demoiselle, alors. Voilà. Mais, c'est pas vrai. Tu ne sais pas la demoiselle. Ah, pour l'arrêter. Après, une anneau, elle va se poser des questions. C'est maintenant. Après, c'est merde. Je te prends la demoiselle quand même. C'est la demoiselle. Regarde. Elle fait bonjour, la demoiselle. Bonjour, voilà. Mais va la pizza. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'il est toujours, j'ai rien mangé. Alors je filme quand même. Arrête, tu vas lui couper l'appétit. Je vais couper l'appétit à Pierre-Jean. Alors, l'appétit à Pierre-Jean. C'est toujours les assiettes des autres qui intéressent les flics. Voilà. Je voudrais aussi enfiler un petit peu notre futur médaillé olympique. Hein, notre médaillé olympique, le voilà. Alors, monsieur Noël Balin, tu as promis de s'occuper de nous fourguer de bonnes médailles à la confrérie. Voilà. Il a prêté serment devant l'avocat Lulu. Non. Donc. Et il a pris comme adjoint. Adjoint, il est à côté. Monsieur Nicolas, il s'est proposé aussi. Non. Et comme il est plus ancien dans la confrérie, c'est monsieur Nicolas qui sera ton adjoint. Eh bien, il sera co-adjoint. Voilà. Et le second adjoint. Voilà. Vous savez que Pierre-Jean, la dernière réunion de confrérie, on a tout filmé, 2h30 de réunion. Et ceux qui avaient promis des choses, l'année prochaine, on va les voir. Là, nous avons en photo le Polak. Père Christophe, un Polak. Il est à moitié corse maintenant, largement, là, plus même. Il est citoyen d'honneur. Il est citoyen d'honneur. Nous allons terminer sur notre Lelouch national. Il n'a pas encore fini de manger, il n'arrête pas. Il fait que manger. Ah ben, tant mieux, l'appétit. Moi, ça me fait plaisir quand je vois les gens qui mangent. Mais en plus, il est bien servi par la demoiselle, alors. Voilà. Mais, c'est pas vrai. Tu ne sais pas la demoiselle. Pas pour lui. Mais la moitié n'est jamais là. Donc, si on n'a pas la voix, donc on est tout le monde d'accord. Si on n'est pas non, on est d'accord. Pour le vote, il y avait du monde. On a Christophe. Quand on vote.
quand on vote. Ça fait partie de la confrérie. Ce n'est pas la moitié plus un des inscrits. Il faut que les choses soient bien claires. C'est la moitié plus un des votants, des présents. Ah non, les absents sont d'accord. Les absents ont tort. Non, ils ont tort. Sauf les absents excusés. Ils ne disent pas non. Alors, donc ils disent non, écoute-moi. Sauf les absents excusés. Et quand les gens qui sont sur le continent, on leur envoie un pouvoir. S'ils ne décident pas de donner le pouvoir à quelqu'un, ben, ils ne participent pas au vote. Toi, si tu ne vas pas voter, mais ne dis pas, pas non. Hein, je ne dis pas non. Moi, j'avais fait ça. Je ne dis pas oui. Compte pas. Deux sartaines. Mais non plus. Elle s'est échappée. Sous-entendu, c'est oui. Ça c'est, une chose. La deuxième il n'est chose, pas là, donc il est d'accord chose, avec la décision. La deuxième chose, c'est quand on veut introduire des gens dans un bureau, quand ils viennent dans un bureau, ils doivent être là pour travailler, pas pour dire au bureau. Eh oui. On a chargé quelqu'un pour faire les chats, rien du tout. On a chargé l'autre pour faire les costumes, rien du tout. On a eu une polémique cet après-midi pour les tenues. Pour les hommes. Pour les hommes, ça fait deux ans qu'on a nommé un binôme à l'Assemblée Générale pour s'occuper des... détenu. Ils savent même pas. Ils n'ont pas bougé. Et quand j'ai essayé de bouger, moi, je me suis fait engueuler. Et il y a deux ans. J'ai dit, basta, stop. Il y a deux ans, quand j'ai dit. Je suis arrivé, on avait quelqu'un qui devait s'occuper des chants, tu vois. Ce même personne vient me dire à moi, qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui? Compris? Il veut pas le prendre. Mais pour les chants, il faut faire la répétition. Voilà, non mais je parle de s'occuper, de les polycopier, de répéter les chants. C'est pas toi qui dois les photocopier. Attends, il y a un responsable tous les dimanches. Non, il y a un responsable chant. Il doit s'occuper de savoir ce qu'on doit chanter. On voit par l'internet et moi je n'aime plus. Après, on nous a reproché à la réunion. Ah, ce serait bien si on avait des lampions, c'est plus joli. Ah ben je dis bien. Ah ouais, c'est pas bien ce que vous faites, on n'en fait jamais rien dans cette confrérie. Ah, je m'engage à les faire. Ah, engage-toi. On attend toujours, ils ne viennent même pas. Ils ne viennent même pas à la messe ni aux processions. C'est, voilà. C'est ce que je viens de me dire à l'instant. Quand on fait des assemblées générales, les seuls qui parlent, c'est ceux qui foutent rien. C'est ceux qui foutent rien. Oh, ça c'est méchant. Non, c'est pas méchant, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Et la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Quand je dis qu'ils parlent, je parle. Non, toi tu parles tout le temps, tu les comptes tout le temps, donc c'est pas pareil. Ah, oula. Moi je parle de ceux qui font des critiques qui ne sont pas objectives parce qu'ils ne foutent rien. Le problème il est là. Si tu fais une critique, sois objectif, fais quelque chose qui contre cette directive. Non, il n'y a jamais personne. Moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on me dise demain. C'est pas un problème, on dit tu es un mauvais cru, c'est ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Mais à ce moment-là, quand tu critiques le bonhomme, dis-moi, je peux faire mieux que toi. Et je vais le faire. Allez, voilà. Vas-y. Tu le fais. Je te file le flambeau et tu vas. Ah non, mais tu comprends, moi, je n'ai pas le temps, je travaille. Ah bon, ta gueule, je dis rien. Tonton, tu vois, pas toi. Tonton, les desserts. Quelqu'un veut des desserts? Ouais, moi. Moi, j'ai déjà fait mon dessert, j'ai déjà choisi le mien. La crème caramel, crème brûlée, tarte aux pommes, tiramisu, salade de fruits. Mais on ne fait pas un coup pareil. Hein. Non, mais c'est le problème. Tu vas excuser quoi là, être le jour. Parce que tu as reçu une réflexion. Mais moi, les réflexions au niveau de la compagnie, j'en prends 50. Parce que tu as fait ci, tu as fait là. Mais oui, mais bon. Je t'explique. L'autre jour, il m'a dit ouais, mais tu comprends le travail. Non, le dimanche était fermé. Aujourd'hui, Christophe, il est fermé. Me montrer la photo. Qu'est-ce qui est fermé? L'établissement où il travaillait, Dani, il est fermé. Il n'était pas à la confrérie aujourd'hui. Je sais rien. C'est en fait de Dieu, c'est en fait de la confrérie. Je te charge de ça. Ah oui, il n'y avait même pas la moitié. Moi, je suis concerné doublement parce que je suis son parrain, mais parrain de raccrochage. Parce que son parrain, c'était Jacques, mon beau-frère. Jacques, il a dit, moi, je ne peux pas. Carrément. Et donc j'ai dit, ben, je te prends comme fille. Moi je lui ai dit, on te met prière parce que tu es. Lui, il n'y avait même pas la moitié, parce qu'on est 40 quelques noms. Là, on était pas mal. Écoutez, moi je veux dire, on était 15 personnes. Je suis certainement Il y a des excuses. Je serais certainement surpris
il y a Jacques, Jean-Claude, remplacé pour l'instant. Ils chantaient sur le continent, ils sont arrivés, il était 5 heures. Alors, sur les tartes aux pommes. Moi, personnellement, je ne me sens ni capable, ni je n'ai le temps. Il y a eu deux fois Émile, la troisième, tout petit. Il s'est excusé tout seul. Ben oui, malheureusement, Émile, je crois, au moins, mais non, mais il l'a dit, mais les matchs ont été enregistrés. C'est une bonne raison, je le vais. Mais après la confrérie, non. Si tu l'as fait bien, si vous abandonnez tout de suite, ils ne reviendront plus. Je vais m'excuser pour le désenterrement, par exemple. Pour le désenterrement, je vais m'excuser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mauvaises excuses. Ah, t'es pas des tiennes abri? Oui, c'est elle. C'est la nôtre, moi. Bien sûr. Elle est bonne, hein? T'as couché avec Hissène Abré. Et nous, oui, mais nous, on était dans le Djebel en train de courir derrière. Ah bon? C'est le seul. Eh oui. Ah non, l'Afrique, je l'ai faite, moi, souvent. Hein. Quand je partais, on m'a dit, pour connaître un peu, mais je partais que 4 mois. Au moins 10 ans. Ce qui est vrai. 4 mois, c'est pas au suffisant. Au bout d'un an, on se croit de tout savoir, tout connaître, tout commander, tout diriger. Et au bout de 10 ans, on s'est dit, on est vraiment comme eux, on n'a rien à dire, on continue comme eux. 4 mois, c'est pas suffisant. Je connaissais rien. 10 ans. Le Tchad, par contre, j'ai connu le. Moi, au bout d'un an et 3 mois, je devenais curé de 24 paroisses. Voilà. Par contre, là aussi, où j'ai crapahuté beaucoup, c'est en Éthiopie, de Djibouti à... On a fait tous les territoires déjà, ça et ça. Là. Eh bien, là, ils nous ont fait galoper. Hein. Les pirates, là, qui étaient dans le golfe de Djibouti, là, ils nous ont fait galoper. Oui, mais moi, le dessert, c'est... Moi, après, normalement, c'est 6 ans, mais comme vous avez fait... Oui, non, rassurez-vous, hein. C'est pas une question de goût. J'adore ça, mais... C'est pour 6 ans, c'est pas... D'ailleurs, il fallait demander... La tarte plus grande, là, je vais inverser avec vous. Mais il n'a pas voulu, après. Donc j'ai mon diplôme. C'est exactement la même chose, c'est que quelqu'un dit, moi je suis croyant non pratiquant. Moi j'ai mon diplôme, moi je n'ai pas pratiqué depuis des années, donc je ne suis rien. En Afrique encore, je réparais de la radio. J'ai commencé, mais après j'étais débordé. Moi je dis, ah non. Je n'arrive plus à faire face parce que chaque radio qu'on m'amenait, c'était tellement déchiqueté. On n'arrivait plus à faire. Donc maintenant je suis nul. Mon diplôme. Ça a tellement évolué en fait. Il faut être dans les chroniques, tout ça. Moi, je connais encore la télé avec le tube. Les lampes. Ça, je connaissais bien. J'essayais de prendre sur le tableau. En Cracovie, je réparais, je suis sous la bouche. Sous la bouche. J'ai envie de finir sur la société. Si il doit se sculpter comme ça. Je n'ai pas fait attention que. J'avais dit qu'il y avait les barres. Dans ma chambre, parce que je croyais à la fois. Je vais réparer. Il n'y a pas une photo plus belle, il va tailler là. Ah, je savais encore réparer. On ne réparait pas d'ailleurs. On va voir. C'est tellement compliqué, c'est plus compliqué maintenant. Faut essayer l'électronique, c'est compliqué. Regarde, le prieur qui mange son dessert. Va. Mais après, pour, on va t'attarder pour dessouder, c'est impossible de avoir le matériel. C'est ça n'existe même pas. Il y a le matériel pour souder, tu dessoudes. Un gros plan là, tu vois. Parce que c'est un gros plan là. Un demi-millimètre, un demi-millimètre de près. On est sur un plan de soudé et de soudé. C'est fait exprès pour le tester. C'est la maladie de l'Europe. On arrive dans la chambre avec poste à souder. On détruit tout, on brûle tout, on arrive dans la chambre. Et après, souder l'autre, on met en bois. Non. On les met en serre. Nouveau, on passe sur la machine. On vous connaît des circonstances. Je promets celle de Pierre-Jean. Il y en a qui filment, ils n'en perdent pas une.
Fumier. Il y en a qui mettra filmé par contre. Ah, pas. Moi je dis, franchement, le prieur, je demande surtout de filmer le souk. Il est sur toutes les vidéos, sur toutes les photos. Moi, toi aussi, tu peux pas le finir. Je demande surtout de filmer le futur prieur. Tu vas finir prieur. Et de dire ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Je me propose dans un futur loin, dans ma dans 2 ans. Non, mais la bonne loi. Non. Il paraît qu'il faut dépasser la trentaine. Il faut dépasser la trentaine. Non, il n'y a pas de. Non, le Christ est mort à 33 ans, donc le prieur n'est pas 33 ans. Mais on lui met la couronne d'épines. La croix elle est chez toi, on l'a toujours pas vu. Hein. Non. Mais... On vient de décider ce nouveau règlement intérieur. Regarde, fais attention que la prochaine élection, c'est parce que tu n'étais pas, c'était porté à l'ordre du jour. Et alors, mieux, on va obliger maintenant les femmes des confrères à venir à la messe et tout. Ah, mais elle fait. Moi, j'ai briefé ma femme, mais elle est protestante, ma femme. Et alors, ça fait rien. La sienne, elle est juive. Ah non, la mienne, elle est à elle a toujours été juive, la sienne. Elle me fait pour moi. La mère juive, la fille, elle est juive. Tu as lu ça. Là où tu as lu ça. Je sais qu'en plus, elle a lu chez les juifs. Tu l'as tâté, ta femme. Oui, attends. Tu l'as tâté. Pour les bons principes. Tu étais encore en 1900, toi. Tu veux pas demander les signes là-bas. En allemand, on dirait que je t'avais un sacré Noël. Son grand-père était beaucoup plus sérieux. Il porte le nom, tu vois. Très bien connu. Non, mais aujourd'hui, la polémique, on est. Aujourd'hui, il y en a un qui a fait le chien, on n'a pas. Plutôt Bellard, c'est plutôt côté Bellard. Ah, Bellard, c'est pour ça. Ah, il est pas sûr. Tu t'attaques au mauvais côté de la famille. Je connais aussi Bellard. Si tu montes Bellard maintenant. Ça fait 400 fois qu'on monte te faire des messes. Il y a un canon, je te dis pas. On connaît, hein. Toujours à la polonaise, même si c'est un dimanche, je sais pas. D'accord, c'est pas vrai, c'est jamais tombé un dimanche. Sa grand-mère, elle a dit, Julien Noël. Ne me parle pas de ça. Ah, bon, t'es là. Elle en fait. Tu viens pas. Ça fait longtemps qu'il n'est plus. Je suis allé à la première. Ça, tu peux pas nier. Elle a fait une petite et depuis elle est enceinte. Et voilà. Le corps des fois n'est pas sévé. Parce que tu as peur de rentrer dedans et de sortir avec l'anneau. Non, elle mangeait et c'est la fille qui venait. Elle le faisait comme ça. Elle nous aime, elle ne pas moi. Oh là là, elle faisait. Pas ça, elle venait manger. Ça, c'est sérieux. Et je n'ai pas de bonne chance. On déjeunait et la fille. Après, c'était notre confrère qui serait un peu indigné. Il a bien fait. Il a bien fait, on l'a plus vu. Qui t'a merde. Non, le fils de. Non, le... sérieux, ça. Ah, oui, le fils de François Dominique. J'ai pas eu l'heure de l'art l'an dernier avec la fille. J'ai mis des haricots verts. J'ai mis des haricots sec. Avec la fille costaud. Costaud.